Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Formation DAO. Alors aujourd'hui nous allons aborder un nouveau chapitre, le chapitre des blocs et des blocs contraints. D'accord. Donc, euh, petit rappel, hein, les anciennes vidéos que vous avez toujours euh, sur notre chaîne YouTube traitaient, si vous voulez, des notions de base. Donc, je vous invite un petit peu à aller faire un petit tour sur nos anciennes vidéos pour, si vous voulez, revenir sur ces bases du logiciel. Alors, aujourd'hui, euh, on va aborder un, une table de salon. D'accord. À travers ces, les blocs et les blocs contraints. Donc, je vous propose d'aller, avant tout, avant tout, d'aller voir nos différents supports qui vont traiter ce deuxième chapitre. D'accord. Euh, on y va, on y arrive, tout doucement. Alors, bloc contraint. Un bloc contraint, c'est quoi donc c'est un peu ce qu'on avait une notion sur le logiciel Top Solid Route, vous permettre, vous faciliter en tout cas la conception de, de caissons si vous voulez. Donc en gros, on va pouvoir faire du caissonnage assez facilement. D'accord. Donc CTP, ces supports pour ce deuxième chapitre. Alors les 6 supports sont, si vous voulez, théoriquement ça devrait évoluer. D'accord. Donc aujourd'hui on va commencer sur cette petite table de salon que vous voyez en bas. D'accord, donc deux caissons, un caisson en bois massif en plein milieu, d'accord, et un caisson en médium mélaminé blanc euh, en périphérique, d'accord, supporté, alors le caisson au milieu est supporté par trois traverses, d'accord, le tout supporté sur quatre roulettes. Donc on verra un petit peu avec la notion de bloc et de bloc contraint comment on peut assez facilement réaliser ce type de mobilier. Le deuxième TP, si vous voulez, l'étagère design, d'accord, que vous voyez ici, donc euh, quatre caissons, deux grands et deux petits caissons, donc principalement assemblés par euh, l'assemblage que vous connaissez tous maintenant, les lamelles, donc type lamello, d'accord, avec. Euh euh, friseuse lamello, lamello d'accord donc vous aurez à le faire si vous voulez en partie en autonomie d'accord donc je commencerai avec vous le, les grands caissons et les petits caissons et vous verrez qu'il y a une petite subtilité que je vous laisserai découvrir si vous voulez pour réaliser euh, ce mobilier troisième support donc caisson haute cuisine ben, on passe bien évidemment sur le caissonnage hein, deux caissons traditionnels d'accord en façade vous avez une large porte d'accord avec deux miroirs enfin deux verres plutôt teintés noirs d'accord et le tout euh, avec euh, fixé dessus deux deux de poignée, d'accord, et qui vous permettra, si vous voulez, de faire le basculement de cette porte vers le haut, d'accord, donc un peu un caisson traditionnel qu'on retrouve généralement en mobilier haut. Euh, quatrième support pédagogique, on va parler ben, de meubles d'angle, d'accord, donc un caisson, donc un peu ce qu'on appelle les casseroliers, d'accord, donc des grands caissons larges dans lesquels on peut euh, ranger assez facilement de, de gros volumes, d'accord, donc le tout supporté, supporté pardon, sur des pieds. Euh, chromé d'accord donc en partie haute vous avez un plateau en marbre d'accord donc cette euh, ce support si vous voulez vous aurez à le terminer parce que je vais commencer avec vous tous ces supports seront, si vous voulez, euh, vont traiter ce qu'on appelle, ben, comme je l'ai dit au début, des blocs et des blocs contraints. Euh, le 5 TP est toujours un bloc contraint. On va, avoir, on va aborder un petit peu les deux notions. On va faire un petit rappel aussi sur les notions de base. Toujours, c'est un mélange entre les notions de base qu'on avait vues dans les premières vidéos, d'ailleurs, que je vous réinvite à aller voir. Et avec, si vous voulez, la notion de bloc contraint. Donc, petit mobilier euh, très simple, hein, des questions qui sont superposées hein, verticalement, assemblées toujours par des lamellos et les pieds, si vous voulez, avec des dominos. Le sixième TP lui, la petite table de chevet, deux tiroirs, alors ça je pense que ça va être le TP le plus complet qu'on va pouvoir voir, on va aller un peu plus loin, donc non seulement on va aborder la notion de bloc et de bloc contraint. on va intégrer toute la quincaillerie, notamment euh, les poignées cuits que vous voyez en façade, mais on fera aussi deux tiroirs, on mettra les coulisses, on fera un petit peu le piétement, avec la notion de base logicielle, d'accord, avec la notion d'esquisse. Rappelez-vous la notion d'esquisse qu'on a vu dans les premières vidéos. Mais on est un petit peu plus loin dans cette, dans ce dernier support où on verra, si vous voulez, comment on peut faire la notion de calpinage. Donc, on va faire la bascule sur le logiciel qui s'appelle Opticoup, et on verra aussi en comparaison la méthode par imbrication sur notre logiciel Top Solid Wood. Donc, tous ces supports, si vous voulez, vont servir de d'approche sur ces blocs et ces blocs contraints, en espérant que ça va répondre à vos, à vos besoins. Et on finira aussi, si vous voulez, par d'autres TP bien évidemment qui, euh, qui ne sont pas présents sur euh, ce panel de support, mais que euh, ce deuxième chapitre est absolument, enfin, sera amené à évoluer par la suite. Donc je vous propose d'aller voir, si vous voulez, ce, ce support, donc la table de salon, d'accord. Donc table de salon, très simple, hein donc euh, si euh, six phases, si vous voulez, à, pour réaliser ce, ce TP, hein, on va créer deux blocs, d'accord, deux blocs contraints. On va, créer, on va les côtés, on va faire les traverses, on va aussi créer les dessus et les côtés. On va créer les assemblages. Alors, ça, on l'a déjà fait dans les anciens TP1. Hein. Donc, en général, c'est soit du, du lamilo ou soit du domino d'accord, de Festool. On va inclure aussi euh, les fameuses roulettes que vous voyez ici là. On va pouvoir aussi créer un éclaté qu'on voit ici, d'accord Et on va passer à la mise en plan. En petite table toute simple, hein, donc 900 mm de longueur sur 350 mm de haut et le caisson du milieu qui est positionné à 248 mm par rapport à la hauteur, euh, la partie basse du meuble et une profondeur de 500 mm. Alors après ben, avoir vu les dimensions de, de ce mobilier, d'accord, je vous propose d'aller voir directement sur, sa, sur son plan, donc son dessin d'ensemble. Donc, on va aller faire un petit tour là-dessus. D'accord, et on va voir ensemble si vous voulez les, les différentes cotations qui vont nous permettre de réaliser, si vous voulez, ces différents blocs contraints. Alors juste avant, ben, ce fameux petit zoom que vous avez l'habitude maintenant. D'accord, donc euh, pas d'inquiétude, je suis toujours là. D'accord, donc euh, voilà, vous avez votre document en plein écran maintenant. D'accord. Donc on va simplement, si vous voulez, euh, faire un petit zoom sur la cotation. Parce que c'est en fait, euh, lorsque vous faites des blocs contraints, d'accord, on va pouvoir, si vous voulez, on va devoir, si vous voulez, avoir les dimensions de l'ouvrage, les dimensions autour de chaque caisson. Alors pour ça... Alors, ici, vous avez le... D'abord le grand caisson, d'accord. Donc je vais prendre un petit stylo. D'accord, ici, d'accord. Donc là, ici, les côtes qui vont nous permettre, si vous voulez, de réaliser le, le bloc du grand caisson, ben, ça va être déjà la longueur ici. D'accord Donc les 900 mm. Vous aurez également besoin des 500 mm de profondeur. Et vous aurez également besoin des côtes 350 mm. Donc ça, si vous voulez, c'est pour... Euh, le grand caisson. Maintenant pour le petit caisson, regardez sa longueur ici, ben c'est 700 mm. D'accord euh, Sa hauteur, on est à 150 mm et sa profondeur sera également de 500. Mais il y a une dimension qui va nous permettre, si vous voulez, de la positionner à l'intérieur du premier bloc. Hein, D'accord, c'est cette fameuse côte ici qu'on voit ici, là, 99 mm. Bien évidemment. On aura aussi besoin des cotes de décalage qu'on a ici, là des traverses, des cotes ici-là, d'accord, des côtes, euh, si vous voulez, on aura aussi besoin de toutes ces côtes-là pour pouvoir positionner les autres éléments. Alors, je vous propose maintenant d'aller directement sur notre logiciel Top Solid Road afin de voir si vous voulez en détail, si vous voulez, ce fameux mobilier, D'accord Donc euh, voilà, ici, ben, on arrive euh, sur notre, euh, notre logiciel. Hein, donc euh, voilà votre, euh, votre table de salon. Hein, donc euh, bouton contrôle enfoncé, bouton gauche de la souris. Donc on peut faire la rotation. Donc vous voyez un petit peu les roulettes qui sont en dessous et on voit le caisson. Alors je vais passer en vue filaire, comme ça vous allez pouvoir voir en détail. Voilà, exactement. Voir un petit peu les différents assemblages qu'on a réalisés sur ce petit mobilier. D'accord Alors je vois qu'il manque. Alors vous ne vous inquiétez pas, je vois qu'au niveau du caisson... Du milieu, il manque les dominos. D'accord Ce sera ajouté dans, dans, la, dans, dans la vidéo tout à l'heure. D'accord. Donc regardez un petit peu, on a le positionnement des roulettes et on a, si vous voulez, tous les lamelles, type lamello, hein, lamelles de bois, type lamello, qu'on retrouve, si vous voulez, sur l'assemblage des traverses et des caissons. Donc euh, je repasse en mode alors euh, rendu réaliste. D'accord. Donc euh, voilà le plan. D'accord, voilà le plan de notre ouvrage notre, euh, notre que je viens de vous montrer tout à l'heure. Hein. Donc, on l'a mis en plan avec le mode Drive, rappelez-vous, sur notre logiciel. Donc, c'est toujours pareil, rien à changer à ce niveau-là. D'accord, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser ce mobilier avec les blocs et les blocs contraires. Donc, euh, je vais passer en, voilà, c'est toujours pareil, hein, je vous montre un petit peu, les petits, un petit rappel, hein, euh, mosaïque verticale. D'accord Alors vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors si je fais encore, alors moi je suis plutôt euh, inverse si vous voulez. Donc je fais encore mosaïque verticale deux fois. D'accord, pour pouvoir avoir, pouvoir dessiner, si vous voulez, sur le côté droit de, de, mon, de mon écran. Donc on voit un petit peu, donc je me mets en vue globale ici. Et pareil, je clique ici. Rappelez-vous, hein, on est dans, deux, dans les deux modèles à la fois là. Hein, D'accord Et je peux vous cliquer ici. Ah ben maintenant je vous propose de commencer ce, ce fameux TP, hein, d'accord, donc vous allez faire ici euh, sur, toujours sous le menu fichier, donc sur euh, fichier vous faites nouveau, nouveau document. Alors toujours pareil, donc pour faire les blocs contraints, on va toujours aller dans ce qu'on appelle le mode euh, design, d'accord Alors toujours pareil, je déploie un petit peu la fenêtre, vous restez toujours pas de modèle, mode associatif et toujours l'unité, le millimètre. Donc là vous faites OK. Donc vous arrivez sous cette interface, alors si vous voulez, maintenant, on va, si vous voulez, double-cliquer ici, sous l'onglet, et voilà, on a notre page en entier, en entier, pardon, d'accord Donc voilà un petit peu, vous vous rappelez un petit peu de ça, le repère absolu qui est en plein milieu ici, là, et la zone de travail qui est quadrillée, d'accord Donc pour pouvoir faire notre bloc, notre, d'abord notre bloc... Hein, le premier bloc du grand caisson. Alors je, fais, je fais souvent le va-et-vient. Alors, euh, je fais le va-et-vient tout de suite. Hein. Alors, le grand caisson. Rappelez-vous, il fait une longueur de 900 mm, 500 mm de profondeur et une hauteur de 350. Donc, c'est ce qu'on va faire en premier. D'accord On retourne sur le logiciel. On va aller dans Forme. Alors, plus précisément, dans la troisième icône. Donc, euh, dans la barre des contextes, menu icône bleue. D'accord Troisième icône en appartant du haut. D'accord Donc, là, vous voyez un petit peu, c'est peut-être la première ou la deuxième fois qu'on y va, si vous voulez, dans cette, dans cette barre. Hein, si vous voulez, donc euh, des icônes principalement bleues. D'accord Et nous, l'icône qui nous intéresse, alors, ça va de créer une forme excludée. D'accord Donc, on a aussi les raccourcis en icône. D'accord Rappelez-vous, à chaque fois que je faisais excludé, moi, je préfère passer. Alors, c'est des préférences, hein, vous devez voir aussi. Je préfère faire forme extrudée. Mais vous avez directement l'icône ici, là, dans, le, dans la barre des contextes, en cliquant ici sur euh, l'icône forme. Donc, nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est cette icône qui est ici, qui s'appelle bloc. D'accord Donc, on va cliquer dessus. D'accord Bloc. Et ça va vous demander, si vous voulez, des dimensions. Alors, vous voyez ici, on va laisser sur euh, position centrée. D'accord Par rapport à X. Ici, on va mettre la longueur X ça va être du 900. Vous faites entrer. Ensuite, ça vous demande la longueur y. Vous mettez 350. Vous faites entrer. Et ça vous demande la dimension en z. Et vous faites 500. Et vous faites entrer. Alors une fois que vous avez fini de rentrer vos dimensions, alors votre écran a pris une couleur un peu blanchâtre. Alors on va dézoomer pour, hein, pour vous montrer un petit peu. Alors je vais avec la molette. Hein. Donc vous voyez. Donc je vais dézoomer. Alors excusez-moi, je vais revenir en arrière quand même parce que j'ai dû cliquer plusieurs fois. Voilà. Vous voyez, donc, euh, ce que vous voyez, en fait, euh, tout à l'heure, c'est euh, ce cube, en fait, parce que je vais passer en, en bouton contrôle enfoncé, bouton gauche enfoncé, regardez. Voilà votre volume que vous venez de créer, d'accord Alors, regardez dans la, dans la barre des questions, il, vous, il attend un point d'alignement, d'accord Donc, regardez, je vais venir zoomer sur le repère absolu et je vais venir cliquer ici sur le zéro. Tac Et ici, regardez, voilà ce qu'on voulait faire. Donc, on retrouve... Euh, alors, je fais échappe pour sortir de la fonction, d'accord donc on retrouve si vous voulez. Euh, alors c'est ce que je vais vous montrer, hein, d'accord. Donc euh, les cotes, les cotations sont, sont restées actives le temps que je fasse euh, échappe, d'accord. Donc on avait vu, bien vu les 900, les 500 et les 350 mm. Donc euh, par contre, justement pour pouvoir travailler sur ce fameux bloc, on va lui affecter une transparence. D'accord? Ça, cette fonction que j'ai déjà utilisée auparavant dans les anciennes vidéos. Donc vous allez aller dans le menu euh, attributs, d'accord, et vous allez cliquer sur euh, transparence ici là. D'accord, excusez-moi, euh, échappe euh, attribut, pardon, attribut, euh, transparence, voilà, d'accord, parce que le, ça, la, la fonction n'avait pas marché. Et là, je voudrais cliquer sur un coefficient de 8. Et vous allez cliquer sur venir cliquer sur votre volume. Voilà. Donc vous voyez votre votre volume est maintenant devenu transparent. D'accord, ce sera plus facile pour nous pour travailler dessus tout à l'heure. D'accord Donc voilà un petit peu pour le premier caisson. Alors pour le deuxième volume bloc contraint, d'accord. Donc on va faire un petit bail bien sur euh, si vous voulez sur notre document guidance toujours. Hein. Donc euh, le deuxième bloc, donc le deuxième caisson, si vous voulez faisait une longueur de 700, d'accord, une hauteur de 550. 150 pardon, et une profondeur de 500 mm, d'accord, et positionner l'intérieur du premier volume à 99 mm par rapport à la partie basse, d'accord, donc on va aller faire ça si vous voulez sur notre logiciel, d'accord, donc nous avons déjà fait notre premier bloc, donc le deuxième ne va pas s'appeler bloc, mais plutôt un bloc contraint, d'accord, pourquoi on dit bloc contraint en fait, parce qu'il sera contraint par rapport à sa position, D'accord Donc on va toujours passer par la petite icône bleue. On va ici cliquer sur ce fameux toujours bloc. Et là, rappelez-vous tout à l'heure, vous avez maintenant dans la barre des questions, vous avez bloc contraint qui apparaît. D'accord On va cliquer sur automatique. Et là, on va lui dire en épaisseur, on va lui mettre du 700 mm. On fait entrer. Et là, il vous attend. Il vous demande un plan de position. Voilà, c'est justement la différence avec les blocs et les blocs contraints. C'est parce que les blocs contraints se positionnent sur des plans, d'accord. Alors que n'est pas un plan, ben, c'est un côté de, de votre volume, par exemple. Ici, par exemple, on va cliquer sur le côté ici. Alors, vous voyez, ça vous a créé un bloc, d'accord, avec une flèche verte et une flèche orange et plusieurs petites flèches rouges. Alors, on va voir déjà à quoi ça correspond. Alors, si vous voulez cliquer sur la flèche orange, regardez qu ce qui se passe. Tac, vous pouvez bouger votre bloc contraint. D'accord Alors rappelez-vous, nous on veut qu'il soit à l'intérieur et pas à l'extérieur comme ici. Donc on va venir cliquer ici là. Donc vous voyez, ça vous permet de faire les deux va et vient Et ces fameuses petites flèches rouges vont nous permettre justement, voilà, si vous voulez, si on va en venir, dimensionner notre bloc contraint. D'accord Donc ici, on va cliquer sur la première, la petite flèche rouge qui est en haut. Donc vous avez une flèche rouge dans toutes les dimensions. D'accord Donc cliquez sur la petite celle qui est en haut. D'accord Et on va lui dire euh, longueur ici. Longueur, on va lui dire 150 mm. Et on fait un D'accord Vous voyez ce que ça fait Donc, vous pouvez, si vous voulez, paramétrer, si vous voulez, votre, la dimension de votre bloc contraint. On va faire OK. Et toujours pareil, on va pouvoir, euh, si vous voulez, paramétrer le reste. Hein. D'accord Donc, on va aller, si vous voulez, cliquer sur euh, le bas, la flèche du bas. D'accord Et en jeu, on va lui mettre ici un jeu de 99 mm. Et on fait un truc. D'accord Donc vous avez déjà compris, hein donc voilà un petit peu à quoi sert un petit peu nos différentes flèches rouges sur ce fameux bloc contraint. Alors je rappelle hein, la différence entre bloc et bloc contraint. Le bloc contraint, ben, il se positionne sur un plan, d'accord, donc on le contraint à se positionner par un plan. Donc il a besoin d'un plan pour se positionner. On verra par la suite des TP, si vous voulez, à chaque fois qu'on va passer par cette notion de bloc contraint, on va devoir s'appuyer sur un plan, une face, un bout, un champ d'une pièce, d'accord, pour pouvoir réaliser notre plan notre bloc contraint d'accord, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer un petit peu au niveau de ces blocs et blocs contraints, d'accord donc maintenant on va pouvoir poursuivre alors je fais, euh, ben, échappe, hein. donc maintenant on, a, on, est, on est bien positionné, hein. d'accord Je fais le. alors je fais échappe pour sortir de la fonction et on va simplement aller voir ici, voilà ce que ça donne, donc vous voyez, on voit bien ici euh, le grand, on a un grand caisson donc un grand volume, d'accord, et à l'intérieur on a un petit volume, donc je reviens sur mon, mon logiciel, hein. d'accord alors sauf que, on va ouvrir notre arbre de construction ici là D'accord Et on va aller dans entité, on va aller dans forme. Vous allez voir que vous avez pareil dans le quand on travaillait avant, dans les notions de base, hein, on a toujours dans forme, ben, ces fameux, regardez, ces fameux euh, volumes qui sont définis ici là. Alors, pourquoi je vous montre ça Parce qu'on va devoir affecter aussi un coefficient de transparence au petit volume. au petit bloc contraint, si vous voulez. D'accord Mais pour y accéder, on ne peut pas y accéder. Vous voyez Donc, comme il est à l'intérieur du premier bloc, hein, d'accord On ne peut pas y accéder. Alors ce qu'on va faire... On va cliquer sur le premier, le doigt, on va le faire visible et il disparaît. D'accord Et là, cette fois-ci, on a accès. Donc, pareil que tout à l'heure, on va passer par attribut, d'accord Transparence. On va lui affecter un coefficient ici de 8. Et on va cliquer sur notre volume. Alors, pareil, je reviens sur ma pièce ici, dans le, dans l'arbre la, dans de construction, hein, clique doigts et j'ai ici, visible, je fais aussi. Donc, on voit bien ici maintenant, alors je vais fermer. Alors, pour fermer, alors petit rappel, hein, alors je vous invite aussi, euh, pendant que j'y suis, à ben, tenez à penser à vous abonner, parce qu'en en fait, euh, là, vous avez déjà vu un petit peu, donc euh, je reviens un petit peu au niveau des de, de vidéos, d'accord Donc, euh, ça va être déposé au fur et à mesure. Nous allons monter en crescendo. L'objectif cette année, bien évidemment, c'est de vous apprendre à faire ben, des cuisines, d'accord Cuisine, dressing, donc, par l'intermédiaire de supports. Donc, au début, ce sont des petits supports simples, d'accord, assez faciles à réaliser, comme cette table de salon. Et on va montrer progressivement en crescendo, ou bien le terme exact en taxonomie, d'accord, pour pouvoir vous faire, euh, euh, si vous voulez, acquérir toutes ces compétences, d'accord. Donc, ici, je referme mon, mon arbre de construction. Donc, pensez à vous abonner, cliquez, abonnez-vous, vous allez recevoir comme ça les notifications. Et au fur et à mesure, donc, euh, la chaîne va prendre de l'essor, pourquoi pas. D'accord. Donc, euh, voilà un petit peu euh, ici. D'accord Voilà un petit peu les deux volumes. Et on va pouvoir, si vous voulez, poursuivre notre TP. Alors maintenant que nous avons fait ben, le premier bloc et le deuxième bloc contraint, on va voir comment on va habiller ces blocs. Parce qu'en fait, c'est un peu le principe de l'habillage. On a fait deux volumes qu'on a rendus, si vous voulez, transparents. Et maintenant, on va les habiller pour pouvoir faire nos caissons. D'accord, donc tout simplement, hein, d'accord, donc je clique ici là, donc regardez, euh, donc on va faire un petit va-et-vient -il, il toujours sur notre document guidance hein, et on va voir un petit peu comment on fait, comment on va faire si vous voulez le plateau haut du meuble, donc euh, ce plateau repéré 102 ici là, d'accord, cette tablette, alors si on, si on parle bien technique, hein, on va voir le 102, c'est le dessus du grand caisson. D'accord Donc le dos que sont 102. Alors si on vient un petit peu sur le, sur le plan, on a, une, on a une longueur de 400 mm sous une profondeur de 500. D'accord? Alors on va le faire tout de suite et vous allez voir un petit peu comment on peut faire ça avec toujours cette notion de, de bloc contraint. D'accord Donc je retourne sur mon logiciel. D'accord Alors je vais passer par toujours cette notion de, de bloc. Alors il, a, alors il y a plusieurs, il y a deux chemins, d'accord. Soit vous passez par ici bloc, bloc contraint, d'accord. On va se mettre en ben, toujours en automatique. Et cette fois-ci, on va lui dire une épaisseur de 16 mm. Ça, aussi du 16, hein, d'accord Et vous allez simplement venir cliquer sur nos fameux plans, comme j'ai dit tout à l'heure. Un bloc contraint a besoin d'une surface pour, pour s'appuyer. Je vais cliquer ici. D'accord Donc vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Donc quand vous cliquez, vous avez mis votre épaisseur 16. Donc ça vient de vous faire un panneau 16 en tenant compte du volume d'encombrement de votre de votre pièce que vous avez fait auparavant en transparence. d'accord Et c'est toujours cette, ces petites flèches rouges, alors euh, toujours pareil, hein, alors, euh, qui apparaissent, hein, ces petites flèches rouges qui apparaissent, mais je voulais montrer quelque chose. Vous avez tout à l'heure, je n'en ai pas parlé, mais vous avez au milieu une flèche verte, une deuxième au milieu et une flèche orangée. Alors je vais cliquer sur la flèche orangée, regardez. Tac, vous voyez, on sort de notre volume. D'accord Le but du jeu, en fait, n'oubliez pas que c'est un volume d'encombrement. D'accord Vous voyez ici là hein. d'accord Et en cliquant à nouveau sur la flèche orangée, regardez, tac, je passe à l'intérieur du mon volume. D'accord Donc n'oubliez pas que c'est un volume d'encombrement. Donc toutes nos pièces doivent être à l'intérieur du volume, donc du bloc. D'accord Donc je reviens comme ceci. D'accord. Toujours mes petites flèches rouges qui sont, qui sont euh, souvent les quatre directions. Hein. Donc regardez ici. Je vais cliquer sur la petite flèche rouge ici. D'accord. Et je vais cliquer sur, comme tout à l'heure, longueur. Et on va lui dire, ben, excusez-moi, 400, excusez-moi, 400 mm, pardon. Voilà. Et je fais un tri. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc vous avez déjà compris. Hein. Donc voilà, donc je fais OK. Donc voilà. le, Alors la pièce numéro 102. Alors repère 102. Alors je... Voilà. Alors c'est le... Le dessus du grand caisson vient d'être réalisé. Donc le 102, on vient de réaliser le 102. D'accord Donc je retourne toujours. Donc voilà un petit peu. Et je fais euh, ben, échappe pour sortir de la fonction. D'accord Donc, ici, je vais bouton contrôle enfoncé, bouton doigt, euh, bouton quand je la souris maintenu. D'accord Donc, je fais bouger mon volume. D'accord Et je vais pouvoir faire toujours pareil, toujours bloc contraint, euh, bloc contraint automatique. Alors, assurez-vous que l'épaisseur est restée activée. Alors, vous voyez, moi, ça a changé. C'est revenu à 19. Donc, 16 mm, je fais entrer. Je vais venir cliquer, cette fois-ci, en dessous de mon volume. Ici, tac. Alors, vous voyez, on a le cas de figure ici. Alors, le. La flèche orangée, elle est côté extérieur. Ça veut dire que mon, que mon, mon, mon panneau est à l'extérieur de mon bloc. D'accord Je veux pas... Ce sais pas ça que je veux. Je veux qu'il soit à l'intérieur. Donc, je vais venir cliquer ici. Tac Vous voyez Donc, ça le positionne. Donc, en fait, euh, ce qu'il faudra faire attention, hein, que tous vos flèches orangées positionnent vos, vos différents panneaux à l'intérieur de ce, de ce bloc, en fait. D'accord Et euh, pareil, eh bien, là, ici, regardez. Si on regarde bien, on n'a on a aucune modification à apporter. Si on fait le va-et-vient avec notre voyez oui, notre dessin, ça fait exactement toute la longueur du bloc, d'accord Donc c'est le panneau qu'on voit ici, là, c'est le fameux panneau sans toit, d'accord Sans toit que vous voyez ici, là, qui est, alors je peux dessus, dessous du grand caisson, d'accord Donc on y retourne, d'accord Et donc là, c'est pour, pour ça que je peux faire échappe. Alors maintenant on va pouvoir faire le le vous voyez un peu ça va vite hein, donc une fois que vous avez la main donc toujours bloc bloc contraint alors vous voyez à chaque automatique d'accord à chaque fois alors ça revient en, en 19 alors je mets 16 d'accord et je vais venir cliquer ici alors là voilà quatre figures que vous aurez à traiter hein, vous avez en cliquant en cliquant alors toujours pareil hein, la petite flèche orange côté intérieur et en cliquant ici vous avez, cré, vous avez créé un chevauchement alors pourquoi je vous dis ça regardez euh, ici toujours, on vient ici notre panneau de côté, alors le repère euh, 101, il est pris entre deux d'accord, vous voyez, donc on a un chevauchement qui s'est opéré à ce niveau là alors, je vais zoomer, je ne sais pas si vous allez voir alors, je vais zoomer pour me mettre bien au milieu voilà, ici, on a un chevauchement ici là, sur notre logiciel top -pro alors que le panneau 101 est pris entre deux oh, est pris entre deux, pardon donc je reviens sur mon logiciel donc vous voyez, c'est ce qu'on a ici là, alors qu'est-ce qu'on va faire on va simplement cliquer sur la petite flèche là ici et on va lui mettre en jeu on va lui mettre euh, 16 voilà vous voyez donc ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est rétréci de 16 mm et on va faire pareil en, en dessous et on va lui mettre un jeu de 16 mm voilà et là je fais ok donc vous voyez mon panneau de côté alors euh, on en vient de finir alors je, toujours ça toujours euh, regarder un petit peu donc toujours le bas et bien je m'aperçois alors oui, ah, d'accord, il manquait les traverses, d'accord. Donc on a déjà fait le 100, 101, 102 et 103. D'accord. Donc maintenant, on va pouvoir faire maintenant ben, les traverses 104 que vous voyez ici. Et la dernière, la 105. D'accord Donc pour ce faire, on retourne sur notre logiciel. Alors pareil pour attaquer la conception de ces traverses hein, 104 et 105, d'accord. La première chose qu'on va faire, on a, ben on n'a plus besoin de, de ce premier volume là, donc ce premier bloc qu'on avait créé au tout début de vidéo, d'accord. Donc on va aller toujours dans notre arbre symbolique d'accord, ici, on va aller, ben, c'est le premier, ici, là, vous voyez, donc, vous voyez, les, les pièces, là, d'accord, qui ne sont pas encore définies, d'ailleurs, ils portent le nom de pièces pour l'instant, d'accord, donc, il le premier, là, petit que doit, toujours pareil, comme on a vu tout à l'heure, hein, et on va le rendre, on va le faire disparaître, d'accord, donc, vous voyez, maintenant, j'ai accès à l'intérieur de mes panneaux, d'accord, et je vois ici, je peux accéder à mon premier bloc contraint, enfin, le deuxième bloc, le petit bloc contraint qui était au centre de mon, de mon mobilier, D'accord Donc on va voir maintenant. Alors je referme mon arbre de construction pour, pour qu'on soit plus à l'aise. Alors maintenant on va toujours utiliser euh, cette notion de bloc contraint, mais cette fois-ci différemment. D'accord Donc on va regarder on va toujours partir euh, si vous voulez euh, bloc. D'accord Et on va faire euh, bloc contraint. D'accord On va lui dire euh, une épaisseur toujours de 16 mm. D'accord Je vais venir euh, cliquer ici. D'accord Vous voyez quand je clique, alors j'ai cliqué sur la surface et vous voyez quand je bouge ma souris, vous voyez ça, ça prend en compte euh, la longueur du volume du bloc contraint. D'accord En fait, n'oubliez pas que c'est de l'habillage. Donc dès que vous cliquez, ben, ça prend en compte les dimensions du bloc contraint et ça vous extrude, si vous voulez, un panneau de 16 mm d'épaisseur sur toute la longueur. Alors ce qu'on va faire, on va tourner ici, on va lui dire que tu vas jusqu'ici, en dessous du, du panneau haut de mon caisson, d'accord Alors, mais je ne suis pas dans le bon sens, regardez, ils ont tout prévu sur Top vous avez ici, là, inversé la direction, tac, vous voyez Et ici, je vais venir cliquer, alors tu vas aller, euh, ben, à sa longueur, hein. il va aller de, de ça, de cette, de la façade de, de mon bloc contraint, et je vais tourner, et tu vas t'arrêter à ici, et regardez, il me demande, ben, où est-ce que je positionne on va, le, on va le positionner, ben, regardez, sur le bout de mon volume, en fait, la partie extérieure, et je clique ici. Et je vais tourner avec mon caisson. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc voyez. Voilà ce que ça donne. D'accord Donc vous voyez bien que ma traverse, elle est à fleur avec le bloc contraint qui est centré euh, dans, dans l'intérieur de, de ma table de salon. D'accord Et on a bien ici notre flèche marron qui est côté intérieur. D'accord Donc euh, je, fais, euh, je vais faire échappe cette fois-ci. Je fais échappe. D'accord et on va passer par, euh, si vous voulez, alors je fais le va-et-vient pour vous compreniez la suite. Hein. Alors euh, regardez, ici, on n'est pas à fleurin, d'accord Alors je vais simplement venir ici. On est à 96 mm, d'accord Alors euh, on va faire ce déplacement, cette, cette saillie ici, là, on va, la, on, va la, on va la créer, 76 mm par rapport à l'extrémité du bout de mon caisson. Donc je reviens sur mon logiciel, d'accord Alors euh, quand vous avez travaillé sur un, sur un bloc contraint, mais c'est très simple de revenir dessus avec la fonction modifier éléments, donc la molette bleue. Vous cliquez ici. là. Et quand vous cliquez, ben forcément, si vous voulez, ça vous donne, euh, si vous voulez, euh, accès aux différentes flèches. Mais sauf que nous, ici, on va lui mettre un jeu de positionnement ici de 96. Et on fait entrer. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Une fois qu'on a compris le principe des blocs contraints, on peut très facilement faire nos, nos ouvrages assez facilement. Donc là, je fais échappe. Et ça va être le même principe pour pouvoir faire les, autres, les deux autres traverses 104. Donc là, la 105 a été faite. Donc pareil, je recommence. Hein. Donc, euh, je passe par bloc, euh, bloc contraint, d'accord Je m'assure que, alors, vous voyez, tout à l'heure, on était passé en automatique. Quand vous passez en automatique, et en cliquant sur une des surfaces d'un volume, automatiquement, ça prend en compte, si vous voulez, la taille de, la taille de ce volume, et ça vous crée un panneau à l'épaisseur voulue. d'accord Tandis que quand vous passez euh, ici en épaisseur, alors, alors 16 reste activé, d'accord Ça va vous demander euh, de positionner ce bloc contraint, d'accord Donc, d'abord, on va venir cliquer... Alors, je vais faire euh, entrer, d'accord Je vais venir cliquer en dessous de mon volume, vous voyez Donc, vous voyez Donc, ça me crée un panneau d'épaisseur 16, d'accord Mais qui n'est pas encore euh, bien défini, si vous voulez. Pour l'instant, euh, on n'a pas encore mis sa longueur. Je tourne, alors, ça vous oblige à tourner un petit peu, tout jouer avec les boutons, euh, contrôle et boutons gauche de votre souris. Ici, vous cliquez ici sur le haut de votre panneau bas, d'accord Alors, on n'est pas dans la bonne direction. Alors, euh, pareil, hein, tout à l'heure, inverser la direction. D'accord? Et vous allez définir cette longue longueur de traverse qui va de la façade de ici. Et on tourne et on va cliquer ici sur le volume de l'autre côté de notre pareil, de notre bloc contraint. Et pareil, vous voyez, vous pouvez coulisser maintenant et bien la position. On va venir le positionner ici. D'accord? Alors regardez, pareil, hein. d'accord Ici. On voit qu'on est à fleur. Alors, tout à l'heure, j'avais quitté la fonction, mais vous voyez, on a toujours ce jeu de positionnement. Alors, je vous, on va faire le va-et-vient, hein, d'accord, en espérant que ça ne va, va pas sortir. Alors, je fais le va-et-vient, et regardez, mon panneau, il est à 149 mm. Donc, je retourne sur mon. mon... Alors, c'est bon, hein, d'accord Et là, je vais marquer 149. Je fais entrer, d'accord Donc, vous voyez, très simple, hein, d'accord Et là, je fais ben, échappe pour sortir de la fonction. D'accord Donc vous avez compris pareil. Hein, pour pouvoir faire l'autre traverse 104, d'accord Je vais passer par la notion de bloc. Bloc contraint, d'accord. On vérifie toujours qu'on est que l'épaisseur 16 reste activée. Donc euh, toujours pareil, on va de d'ici, vous voyez, je peux extruder. Je bouge ici, on va de là à là. Ensuite, je vais venir euh, inverser la direction. Et mon panneau va aller de la, la profondeur de ce bloc contraint qu'on avait fait auparavant. Tac, et je vais tourner pour lui dire que ça va de là à là. Ensuite, je vais venir cliquer. Vous voyez, je, alors un pointillé rouge, on voit un petit peu le, le choix, hein, d'accord Donc, je clique ici au bout, d'accord Alors, sauf que si, alors il y a toujours un qui va se décaler, hein, donc c'est pour ça que je vous dis, faites toujours attention au positionnement de vos blocs contraints. Alors, on doit être à fleur, donc je positionne ici comme ceci, d'accord Et ici. Alors, pareil, je vous dis là, toujours ce va-et-vient, parce que, alors ici, on a 148, ouais. c'est fait exprès, je n'ai pas, pas mis les mêmes dimensions, on aurait pu garder les mêmes écarts, les mêmes saillies, si vous voulez, mais c'est un peu pédagogique pour vous montrer un petit peu comment on peut facilement euh, bouger nos traverses, d'accord Donc, jeu de positionnement, on va lui mettre ici, 148, et on fait entrer. Alors, regardez, on vient de faire l'inverse, d'accord ce qu'on va faire, on va rajouter un petit moins ici. Alors je reviens en arrière. Alors, si je reviens en arrière, tac, on va lui dire que le jeu de positionnement, c'est moins 148, pardon. Et voilà. D'accord Donc, je fais échapper sortir de la fonction. Donc ici, regardez, euh, voilà, on vient de réaliser nos, nos différentes pièces, d'accord Donc la prochaine étape, ça va être bien évidemment de, de les définir, hein, de rajouter les assemblages, euh, je crois que c'est des petites lamellos, d'accord Et vous avez déjà bien compris que le... Donc vous voyez qu'on a enlevé le premier volume, le premier bloc qu'on avait créé au départ, d'accord Qui nous a servi d'appui. Donc une fois qu'on a servi, une fois qu'on n'en a plus besoin, on peut s'en séparer, hein, d'accord Donc je l'ai rendu invisible, et j'ai gardé visible, si vous voulez, seulement le bloc contraint, D'accord, du, euh, du caisson interne du, de ce de cette table de salon. D'accord. Donc voyez un petit peu. Donc une fois qu'on maîtrise bien un petit peu toute cette notion de bloc bloc contraint, c'est assez rapide, et assez facile de réaliser des traverses, des montants, des panneaux hauts, des panneaux bas, panneaux côtés, voyez panneaux intermédiaires. Donc c'est assez facile une fois qu'on a compris le principe avec ces fameuses petites flèches rouges, on peut faire des décalages, on peut créer des jeux, on peut. Voyez. Donc voilà un petit peu cette notion de bloc contraint. C'est le terme exact que j'aime bien du caissonnage. On peut faire facilement. Du caissonnage avec cet élément. D'accord Cette nouvelle fonction de Top Solid Road. Alors maintenant, la prochaine étape, ça va être ben, de définir nos pièces. Alors, vous passer à la définition des, des pièces, hein, d'accord Comme dans les vidéos de lorsqu'on avait abordé les bases du logiciel, ben, toujours pareil, hein, dans le menu, alors je fais échappe au sortir de la fonction. On va aller dans bois, d'accord Toujours pareil, hein, et on va faire définir, définir pièces, d'accord ben, Vous allez cliquer ben, sur le, le premier, si vous voulez, ici là, le 101, d'accord Ici, on va lui dire, ben. Ici, tu vas t'appeler, euh, c'est le côté grand caisson. Grand caisson. D'accord Alors, en matière, pareille, n'oubliez pas que c'est du panneau. Alors, panneau médium, mélaminé, blanc. D'accord Donc, tout simplement, on va aller dans, dans Top Road, dans bois Massif. Et vous allez prendre ici panneau. Euh, alors, panneau de couleur, pardon. Ouais déployer ici, là, et vous allez prendre qu'un autre couleur, d'accord Et vous allez lui dire blanc. D'accord. On aurait pu aussi passer par revêtement, tout ça, hein, d'accord. Donc c'est un peu plus simple hein, de passer par panneau blanc. D'accord, directement. D'accord. Euh, quand je me mets comme ça, regardez, tac, vous voyez ici, euh, alors c'est parce que les autres pièces ne sont pas encore définies, hein, d'accord, qu'ils ont pris l'aspect un peu hors ici là. Et on voit que notre panneau côté caisson a déjà pris, a été défini, d'accord. Donc si on regarde un petit peu dans si on regarde, on le voit ici là, grand, grand côté grand caisson, d'accord, a été défini. Et toutes les autres pièces, à ben, chaque fois qu'ils vont être définies au fur et à mesure, vont prendre leur vrai nom. D'accord Donc, euh, je reviens comme j'étais tout à l'heure, comme ceci. D'accord Et je vais définir, oh, toujours pareil, hein, euh, bois, pardon, bois. D'accord Et je vais faire euh, définir, définir pièce. D'accord Et je vais venir définir ici. D'accord euh, Ici. D'accord Ça va être euh, pareil, le dessus. D'accord Dessus, grand caisson. Grand caisson. D'accord Et pareil en matière, d'accord, ça va être ici, euh, toujours pareil que tout comme tout à l'heure. Hein, panneau, panneau couleur, et vous mettez blanc, vous faites OK. D'accord Alors bien évidemment, dans ton Pro, donc, une fois que vous avez dépassé deux pièces dé pardon, définies, ben, Top Pro vous demande ben, à quoi ça correspond. D'accord Donc on fait oui. Et on va lui dire pour moi donner l'ensemble. Donc c'est donc une table de salon. Table de salon, pardon. Salon. Et on fait OK. Alors, on aurait pu après définir, alors, vous avez des... alors je ne parle jamais de ça, mais en fait, vous avez toute une série de petits onglets là. D'accord Qu'on verra dans des dans autres vidéos. Hein, d'accord Donc, au fur et à mesure, on va monter en crescendo taxonomie. Alors, pour l'instant, je n'ai pas l'utilité d'y aller. D'accord Lorsqu'on va aborder euh, cette manière de calpinage, euh, comment faire des applications, des différentes fonctions, autres fonctions, parce que le logiciel a dit, bah, à pléthore de fonctions. D'accord Donc, pour l'instant, je reste des, dans, dans une pédagogie simple, hein, d'accord Très abordable pour réaliser des meubles assez rapidement. D'accord Et on va évoluer au fur et à mesure. Alors, pareil, hein, je vous redis. Euh, n'hésitez pas à vous abonner oui c'est vraiment un challenge pour nous d'accord donc euh, alors bien évidemment cette chaîne reste à but pédagogique d'accord euh, ben, tous les élèves tous les enseignants peuvent euh, s'y abonner et suivre un petit peu les différentes euh, propositions de tutoriels qu que je fais d'accord depuis euh, maintenant quelques mois d'accord donc on, on continue d'accord sur notre euh, alors toujours pareil vous voyez à chaque fois qu'on va définir des pièces. Alors ça c'est un petit rappel, un petit clin d'œil à la base du logiciel, hein, d'accord, donc vous voyez à chaque fois, hein, donc euh, je vais venir maintenant toujours bois, d'accord, alors si je prends bois, définir, définir pièce, d'accord, et je vais définir ici, ben ici, le 103, d'accord C'est le dessous cette fois-ci. Dessous, grand caisson. Grand caisson, pardon. Et je fais entrer. Alors, toujours pareil, matière, ouais, j'allais oublier. Et on va lui dire couleur ici, là, blanc. Et on fait OK. D'accord Alors pareil, les traverses euh, 104, on va. Alors c'est les traverses qui sont ici, d'accord On a deux traverses 104, d'accord Alors traverses. Euh, traverses euh, comme ça. Euh, basse, grand caisson. Grand caisson. Et pareil, la matière, ce sera toujours ben, pareil. On va ici dans panneau couleur blanc. D'accord On fait pareil ici. Mon obligé de le faire deux fois, mais c'est pas grave. Donc, on pourra le modifier un petit peu après dans la nomenclature. Donc, c'est traverse traverse basse, grand. Donc, voilà, et toujours matière. On va passer en matière ici. On va lui dire couleur, enfin, nos couleurs. Voilà, ok. Et il nous reste une dernière. Ben, une dernière, c'est celle-là, la fameuse traverse haute. D'accord Alors, traverse haute cette fois-ci. traverse haute, et on va aller en matière, toujours pareil, ce fameux panneau de couleur blanc, d'accord Et on fait OK. Donc, si je passe maintenant euh, en vue en réaliste d'accord Voilà un petit peu ce que ça donne pour L'instant, au niveau de ce caisson de ce grand caisson, d'accord. Le petit caisson a pris un aspect euh, bois, si vous voulez, c'est parce qu'en fait il n'est pas encore défini. Et comme la dernière matière que j'avais euh, travaillé dessus, c'était je crois, il me semble de l'orme, donc ça prend aspect orme, d'accord. Donc le grand caisson, tout à l'heure, va être euh, modifié et on va voir un petit peu cette évolution de ce petit, euh, petite table de salon qui se fait tranquillement, d'accord. Donc, euh, prochaine étape, euh, ben on va pouvoir, si vous voulez, attaquer justement ce, ce petit caisson. Alors pour attaquer la conception de ce petit caisson qui est au centre de notre table de salon, donc on revient si vous voulez un peu euh, comme ceci. Euh, voilà. Euh, ici on va venir... Euh, voilà ici, d'accord. Donc, euh, alors c'est le la vue ici, c'est ombre filaire. D'accord. Donc vous mettez en ombre filaire et on retrouve, si vous voulez, notre bloc contraint en transparence. On va fermer, si vous voulez, notre euh, arbre de construction. D'accord. Donc ça va vous donner un petit peu euh, ce volume ici. Alors, euh, pareil, hein, toujours, bloc contraint. Cette fois-ci. Alors toujours, on va pas. Alors, deux chemins. Alors, ça aussi, j'ai parlé de deux chemins, mais je n'ai pas montré tout à l'heure. Soit vous passez par euh, ici euh, forme, donc dans le menu contextuel, vous passez par forme. Ou vous avez aussi la possibilité de passer par la le bois, d'accord, donc menu contextuel, la fonction bois. Et ici, vous avez une fonction qui s'appelle ici euh, bloc contraint, d'accord, de, de la fonction bois. D'accord Donc on revient ici, d'accord Oh, bah, J'aime bien les chemins traditionnels, hein, d'accord Donc euh, bloc contraint. Ici, on est toujours à 16, d'accord. Donc revenir. Alors c'est de travailler très vite. Hein. Je clique ici. Ah, excusez-moi. Euh, oui. Ben, quand vous cliquez pas sur automatique, alors simplement ici. Alors voilà la différence entre automatique et de ce que vous cliquez pas. Donc je reviens en arrière. Je clique sur automatique. Alors simplement, ouais, 16, voilà, ok. Donc je vais cliquer, ouais Vous c'est pas pareil là, cette fois-ci. On s'assure bien que notre... Euh, flèche orangée soit à côté intérieur de notre volume d'accord alors je rappelle hein, alors j'ai pas dit tout à l'heure hein, euh, la flèche orange quand vous cliquez taxe ça, ça ça le décale de l'épaisseur du panneau donc 16 d'accord mais si vous cliquez sur celle du milieu ben forcément, ça vous met à 16 divisé par 2. D'accord Ça vous met à 8 mm. Donc nous, le but du jeu, si vous voulez, c'est de toujours qu'on ait cette flèche orangée ou marron. Je ne sais pas comment vous la voyez à votre écran. Euh, orange côté intérieur du volume qu'on a fait auparavant du bloc contrat Donc euh, ici, pareil, hein, donc je fais OK. D'accord. Donc il n'y a, a pas de retrait à faire. D'accord. Je vais bouton CTRL enfoncé, bouton, euh, contre, bouton gauche de la souris. Et je vais venir cliquer toujours pareil. Hein, je suis pas sûr qu'on est toujours en 16 en épaisseur, je vais venir cliquer ici, d'accord Et cette fois-ci, regardez, ça nous a décalé. On va le côté intérieur. Donc voilà pour euh, les panneaux haut et panneaux euh, bas du petit euh, qui sont centrés. D'accord. Et pareil, je fais OK. Vous voyez la fonction restrective. Hein je vais venir cliquer ici. D'accord. Pareil, je clique ici. Je lui dis un jeu de 16 mm. Je fais entrer, Et ici, je fais un jeu de 16 mm. D'accord Je fais entrer. Et je m'assure aussi que la flèche marron soit côté intérieur. Je vais cliquer ici de l'autre côté, pareil. Donc je fais OK. D'accord Et je fais ici, pareil. D'accord Je vais cliquer ici sur la petite flèche, pareil. Je mets ici 16 mm pour me décaler. Et ici, pour éviter ce fameux chevauchement, hein, et je mets ici, je 16 mm. 16 mm et je fais entrer. D'accord Et toujours pareil, cette flèche orangée côté intérieur. Donc voilà. Donc, j'attends un, un peu plus vite. Alors, maintenant, ce fameux euh, volume de construction, donc ce fameux bloc contraint qu'on avait fait au départ, ben pareil, j'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin. Donc, pareil, je retourne dans mon arbre de construction et je vais aller dans l'entité. Et celle, ben, c'est la deuxième, rappelez-vous. On a fait la première, d'accord La première, la voilà, d'accord Et la deuxième, la voilà. Mais pareil, je vais la rendre invisible, j'en ai plus besoin, d'accord Donc, voilà un petit peu mon, mon caisson qui commence à. mon meuble qui commence à venir, à, si vous voulez. À se dessiner, hein, d'accord. Vous voyez, on, pour les, pour les euh, besoins de la vidéo YouTube, donc je prends un petit peu du temps, bon, voilà Mais si vous voulez, quand vous maîtrisez, ça va assez vite à faire, hein, d'accord. Donc, euh, pareil, on va retourner, touche, va et vient sur ce document guidance. Hein, alors les panneaux 203, 202, 201, d'accord, et 204. On va regarder, c'est de l'homme, d'accord. On y sont là. Hein, donc vous avez, si vous voulez. 201, côté, côté droit, petit caisson, côté gauche, petit caisson, dessus, etc. D'accord Et on va mettre de l'ombre. Donc, bien évidemment, la prochaine étape, vous avez déjà compris, ça va être la définition de pièces Donc, d'abord, le 201, Alors, je crois, le va, le, va, le va et vient. Côté droit, petit caisson. Donc, on va aller le faire tout de suite. D'accord Donc, euh, je viens, je ferme mon arbre de construction, peu besoin, enfin... D'accord, pour que ce soit plus à l'aise. Je vais tourner. Alors, vous voyez, je tourne assez facilement. Donc n'oubliez pas, que quelque pas que je fais ça, c'est le bouton contrôle et le bouton gauche de la souris qui sont maintenus. Hein. Alors pareil, je vais aller dans, dans bois, définir, euh, définir, pièce. Et je vais cliquer sur le côté ici. D'accord. Et alors, euh, petit oubli, parce qu'à chaque fois quand vous êtes dans la vidéo, alors, vous avez déjà plusieurs trucs à la fois. Alors, c'est côté droit, petit caisson. D'accord. Alors, souvent j'aime bien faire le va-et-vient. Donc ici, c'est côté droit, petit caisson côté excusez-moi côté problème de clavier côté doigt petit caisson d'accord et cette fois ci ben pareil dans matière ce ne sera pas du panneau comme tout à l'heure mais ça va être de l'orme c'est du bois massif hein d'accord et on va garder de l'orme on fait ok d'accord euh, ensuite euh Pareil, on fait le va-et-vient, excusez-moi, j'ai pas tout en mémoire. Le 200 côté gauche, petit caisson, voilà, excusez-moi, côté gauche, petit caisson, forcément. Hein. Donc on va cliquer ici, d'accord Alors c'est côté gauche, côté gauche, petit caisson. Et on va toujours prendre matière, on va descendre, on va lui dire c'est de l'orme. Là je fais OK. Alors, je suppose que ça va être. Alors, on va mettre les termes exacts pour qu'on qu soit euh, cohérent. Hein, parce que le. Alors, le document la puce guidance sera disponible en, dans les documents, dans, sous la chaîne YouTube. Donc, quand vous faites afficher, afficher plus, vous aurez accès à un téléchargement à ce petit document, cette feuille guidance que, de, qui me sert d'appui pour, pour, pour ma chaîne en fait, pour ma, ma vidéo. Donc, on est. Euh, bah, pareil, dessus et dessous petit caisson. Voilà, très simple. Donc, pas trop compliqué. Donc là, ici, c'est le dessus petit caisson. D'accord dessus petit caisson d'accord et ici on va prendre matière on va toujours prendre de l'orme alors pareil pendant que j'y suis n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que bon j'ai plein de plein d'enseignants de, qui me contactent plein d'élèves qui me contactent donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires euh, sur, sur la chaîne hein, d'accord donc c'est une chaîne euh, euh, qui euh, si vous voulez qui est là pour si vous voulez vous apprendre à utiliser ce logiciel d'ailleurs euh, en, en en parlant si vous voulez quand j'ai abordé ce logiciel je me suis dit oula, quelle usine à gaz donc moi aujourd'hui ben je suis un petit peu plus à l'aise après quelques années quand même d'expérience dessus d'accord donc je forme mes élèves à à l'acquisition la, des compétences sur le logiciel. Et ça progresse tout doucement. Et on a une demande aussi au niveau des entreprises qui fait en fait que ben ça m'encourage à aller toujours un petit peu de l'avant, si vous voulez, sur ce logiciel. Donc n'hésitez pas à mettre de, 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 euh, des commentaires. Hein. Alors dessous, petit question, pardon. Petit question. Et c'est pareil, c'est de l'ordre. Donc c'est de faire plusieurs trucs à la fois. Voilà, OK. Voilà. Alors, pour voir un petit peu cet aspect euh, terminal, donc on essaie de faire euh, ça. Alors, toujours s'assurer que le. Alors, on regarde le sens des cernes, hein, d'accord Parce que des fois. Alors, ok, c'est bon. Alors, les cernes peuvent être euh, inversées. Donc, euh, il suffit de cliquer sur modifier et vous revenez dans, dans, la, dans la fonction définir et vous pouvez inverser le, le sens des cernes. Donc voilà, donc on voit bien, les panneaux de côté sont pris en sandwich, hein, d'accord Donc, euh, vous voyez, je contrôle bien. Vous voyez, toujours ayez cette petite, enfin, euh, les soucis du détail, hein, allez vérifier si vous avez bien fait euh, euh, vos orientations de CERN, si vous avez bien défini vos pièces, d'accord pas qu'il en soit, on peut toujours revenir dessus. Donc, euh, pareil, hein, dans, regardez ici, dans notre table de construction, on a défini toutes nos pièces. Et si on va dans entité, on va dans forme, vous voyez, je déploie ici forme, on voit ici qu'il y a assez, euh, tout a été défini, sauf les deux. Volume de départ, d'accord Alors, vous voyez, euh, pareil, on les a rendus invisibles, d'accord Donc, rappelez-vous, ce principe des blocs et blocs contraints, c'est les volumes sur lesquels on vient s'appuyer pour pouvoir faire du caissonnage. En gros, s'il fallait donner une définition, euh, si vous voulez, assez, euh, assez détaillée de, de, cette, de cette fonction de bloc contraint, c'est un peu ça. On s'appuie sur des volumes et on peut facilement faire du caissonnage. En gros, c'est ça. Donc voilà un petit peu notre, notre table de salon. Hein, d'accord Donc la prochaine étape, ça va être maintenant de définir, ben, de réaliser des assemblages, type lamilo pour le grand caisson et domino pour le petit caisson. Alors nous allons attaquer, euh, si vous voulez, dans un premier temps, les assemblages pour le grand caisson, donc euh, les lamellos, d'accord Pour ce faire, donc, on va fermer, si vous voulez, euh, notre table de construction, d'accord Pour être plus à l'aise, d'accord Et ici, euh, pareil, nous allons réaliser euh, les lamellos entre le côté du grand caisson et le plateau du dessus, d'accord Et dessous, d'accord Et les traverses, d'accord Alors, pareil, ça va être les mêmes, euh, contra... enfin, les mêmes, si vous voulez, paramètres qui vont être appliqués par copie, si vous voulez. Alors, pour ce faire, on va aller dans bois, d'accord Bois ici, et vous avez cliquer sur euh, la mélo, d'accord. Alors, ça rouge croisé, bien évidemment. Vous allez choisir le vin. Alors, ça, c'est une fonction qu'on a déjà vu dans les autres euh, tutos, hein, d'accord. Alors, pareil, je vous invite à y aller faire un petit tour les notions de base officielle. Vous faites OK. Alors pareil, ça vous demande la phase support. Donc vous voyez un petit peu ici. Euh, alors on va se mettre bien comme ceci pour vous montrer un petit peu. Euh, la face support, regardez, c'est la jonction entre deux éléments. Hein, D'accord Donc on peut cliquer, on peut se permettre de cliquer là comme ceci. D'accord. Il vous demande la phase de départ. Donc la phase de départ, ça peut être ici, par exemple. D'accord. Euh, L'axe central, ça va être ben, ici. Bon on va définir, on va lui dire c'est l'épaisseur du panneau. Donc si on met l'épaisseur du panneau, forcément, il, il va le centre au milieu. Donc ici. Et il nous demande la phase parallèle. Alors pour ce faire, on va passer en... Ici, comme ceci, ce sera plus facile. On va venir cliquer ici sur l'autre arête d'à côté. D'accord Et la face d'arrivée, bien évidemment, ça va être l'autre côté par ici. D'accord Une fois que vous avez fait ça, bon, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, on va lui dire, on va lui donner les paramètres. Hein. Donc, euh, le pas, ça va être un pas de 120 ici. D'accord D'accord On va prendre le pas. On va lui dire euh, distance de départ, ça va être euh, 70. Pardon. 70 ici. 70. Et on va lui mettre 120, 70 et on va lui mettre en nombre, on veut 4 lamellos. 4, d'accord. Tac. D'accord. Donc là, on est, on est bon et on fait OK. Voilà, donc voilà un peu ce que ça donne. Hein. D'accord. Donc vous avez vu la mêle qu'on voit en transparence par ici. Alors c'est pas... Alors pareil, une petite fonction qui est intéressante d'autres proudes. On va copier la propagation, d'accord Et la faire, si vous voulez, sur tous les jonctions, toutes les tous les assemblages où on veut les, les recopier si vous voulez. Donc copier pour Donc toujours pareil, on, on devient sélectionner la place support, d'accord. Euh, la phase de départ, ça va être forcément celle-là. Ici, euh, pareil. Alors je me mets pareil. Hein. Donc euh, ici pour le centrage, on va définir l'arrêt ici. Et on va utiliser l'arrêt d'en face, d'accord, pour le centrage. Et on va utiliser la phase d'arrivée, c'est ici. Donc forcément. Ça se recopie assez facilement. On refait encore euh, copier propagation, d'accord. Euh, euh, ici, voilà la face support, la phase de départ, ça va être ici. Ici, la face de centrage et l'arrêt parallèle, d'accord. Et pareil, vous faites ici l'autre côté pour définir la phase d'arrivée. Voilà. Donc pareil, on va faire pareil pour le haut. Hein. Donc la face support ici, tac. La face de départ ici. Ici, alors je vais zoomer ici. L'arrêt ici, l'arrêt d'en face. Et après, retourner pour définir la phase d'arrivée. Ah, excusez-moi, j'ai fait. à ah, j'ai oublié de faire copier-propagation. Bon, C'est facile aussi de revenir. On va revenir comme ceci. Euh, copier-propagation, voilà, j'ai oublié de cliquer ça. D'accord Et on va venir cliquer ici. My way. C'est assez simple, tout top road. Euh, Phase de départ, d'accord Alors, tac ici. Euh, L'arrête ici, euh, l'arrête là, et phase d'arrivée. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Alors, j'avais oublié de cliquer, copier propagation. D'accord voilà. Donc, ça recommence à zéro. Donc, ici, pareil, hein, phase support ici, phase de départ ici. Donc, vous voyez, ici, ça va assez vite, hein, une fois qu'on a compris le principe, et la phase d'arrivée. Voilà, d'accord Pareil, alors, tout, ne pas oublier comme moi de, de cliquer sur copier propagation. D'accord Alors, il y a, y, a y, a, y a aussi des raccourcis euh, souris. Alors, euh, clique euh, doigt si vous voulez pour valider à chaque fois. Donc, c'est une petite notion que, que vous pouvez intégrer aussi hein, dans votre manière de dessiner. D'accord Donc, ici, face support, ça va être ici. Euh, face de départ, ici. Ça, ici. Et la face d'arrivée, bien évidemment, de l'autre côté. voilà. Copier propagation, toujours pareil. Donc, ici, pareil. On veut copier la phase support, la phase de départ, l'arrête, l'arrête et moi, l'arrête. Voilà. On va revenir. On va s'assurer qu'on a bien fait partout. Hein. Donc, euh, pareil, euh, phase support. Alors, copier propagation, oui, ça, je l'ai oublié encore. Tac, ici, phase de départ. Arrête ici. Arrête ici, voilà. Et on va tourner pour définir la phase de d'arrivée. Voilà, d'accord Donc on s'assure bien qu'on n'a rien oublié, d'accord Donc c'est pour les assemblages que du grand caisson hein, et les traverses, d'accord Donc on retrouvait le, le lamello, d'accord Donc lamello numéro 20. Pour justement les assemblages du, du goc qui sont donc voilà on a tout fait hein. donc maintenant euh, ben pareil on peut sortir de la fonction échapper hein, pour sortir de la fonction d'accord je peux me remettre en vue vue de voilà ici de, de synthèse, d'accord. Donc voyez un petit peu ce que ça donne. Et maintenant, ben la prochaine étape, ça va être ben les dominos, d'accord. Donc dominos, pareil. Hein Donc on revient sur notre, alors toujours, euh, je reviens ici comme ceci, comme ça, ça me permet de voir un petit peu en transparence nos différentes jonctions. Et je vais toujours passer par la fonction ici, euh, la mélo dominos. On va cliquer ici. Alors, sauf, sauf que cette fois-ci, vous allez chercher domino Alors euh, domino alors ici. Et on va prendre du 420 20 d'accord. Oui, 4-20 c'est bon. Oui, on fait ok d'accord alors toujours pareil cette question qui vous pose à chaque fois à la face support donc ça va être cette face cette phase ici ben pareil même principe hein, face de départ alors si vous si vous cliquez les deux arêtes forcément ça vous les mettre au milieu ici et ici d'accord et la face d'arrivée ça va être ici d'accord donc cette petite fenêtre qui s'ouvre donc le pas on va lui mettre toujours 100 et en Distance de départ, on va garder 50. Et ici, en nombre, on va mettre, on veut 5 dominos. D'accord Et là, je fais OK. Voilà. Donc on les voit ici, là, les dominos. D'accord. Donc pareil que tout à l'heure, on ne va pas s'embêter à faire à chaque fois la même fonction. Donc on a d'à penser à tout. Copier propagation. D'accord. Donc toujours pareil, on va lui définir la phase support. La phase de départ. L'arrêt de centrage, l'arrêt parallèle à la phase de centrage. vous tournez et vous mettez la phase d'arrivée ici voilà d'accord pareil copie propagation encore voilà phase de départ arrête arrête d'accord et on, phase d'arrivée voilà toujours pareil copie propagation on vient ici on va définir la phase support d'accord la phase de départ ici alors l'arrête de centrale ça va être cette arrête-ci l'arrêt parallèle à la phase de centrale ça va être cette arrête-ci D'accord Et la phase d'arrivée, ça va être la face qui est opposée, ça va être celle-là. Et voilà. Donc là, on vient de finir, si vous voulez, les échappes ben, sortir de la fonction. D'accord Donc, nous avons... Alors, si je mets mon dessin en vue filaire, ici, regardez, nous avons terminé tous nos assemblages au niveau des deux caissons. D'accord euh, Voilà un petit peu ce qu'il fallait faire pour ce, pour ce TP. Hein. D'accord Donc, je reviens en vue... Euh, en vue alors, rente réaliste. D'accord Et ici, voilà notre caisson. Donc, il nous reste une, une dernière étape maintenant, c'est l'ajout de ces quatre roulettes. Alors, pour ajouter les, les, ben, les quatre roulettes euh, sur ce, cette table de salon, alors toujours pareil, hein, donc n'oubliez pas que Topo, de, si vous voulez, art, si vous voulez euh, une petite bibliothèque, d'accord, euh, qui est disponible en faisant assemblage, d'accord, vous allez faire « inclure standard », vous allez cliquer sur la petite flèche qui est juste en dessous ici, et vous allez prendre euh, « l'inatech EM40 ». D'accord Et ici, on va descendre, on va prendre roulette. Alors, on va bien, bien évidemment choisir une roulette. Donc, le modèle, ça va être roulette pivotante avec frein D80. Alors, ça va être. Euh, Excusez-moi. On va mettre ça comme ça. Alors, roulette avec frein. Ah. D'accord. Alors, on va prendre celui-là. Voilà, c'est celui-là. Voilà roulette pivotante avec frein pd80 voilà ok je fais ok alors on en vous faites ok vous voyez que votre roulette ben elle se lie à votre curseur d'accord alors on va simplement maintenir le bouton droit contrôle enfoncé bouton gauche contrôle enfoncé et on va venir si vous voulez de sorte à voir le meuble et vous voyez ici quand vous positionnez votre roulette vous voyez ici ça ça prend appui sur la face basse de votre panneau bas du grand caisson donc je vais pouvoir zoomer et je le mets comme ceci D'accord. Sauf que on va passer en mode euh, filet et vous allez voir ici, on a deux codes de positionnement. C'est très facile de les, de les modifier. Donc euh, molette bleue, donc euh, modifier l'élément. Et ici on va mettre 80. Et ici pareil, on va venir cliquer sur les 45 qu'on a ici. On va venir ici cliquer sur 80. D'accord. Donc pareil. Voilà. Donc je fais encore assemblage incur standard. Alors c'est déjà mémorisé. Et là, pareil, je viens ici, pareil, et je vais pouvoir modifier assez facilement mes dimensions de positionnement. Donc ici, pareil, je mets 80, hein, c'est 80-80, hein, 80, et ici, pareil, 80. D'accord On s'assure que le, que le frein est accessible côté extérieur. Hein. Ah, D'accord Alors, je fais pareil encore, assemblage avec le standard. D'accord Je fais OK. D'accord Je viens ici, comme ceci. D'accord Et pareil, molette bleue, je vais faire 80. Alors ça s'appuie contre les bords, 80. D'accord Alors si je fais clic au doigt, tac. Ah non, ça ne marche pas comme ça. D'accord. Alors je vais assemblage. Quelques standards. D'accord. Je fais OK. Et la dernière roulette va être positionnée comme ceci, ici. D'accord. Et pareil, je vais pouvoir modifier mes dimensions de positionnement par rapport au bord. Donc ça fait 80 par rapport à ce bord-là. Et pareil, et 80 par rapport à là donc là je repasse en mode euh, rendu réaliste d'accord vu son global donc voilà mon ma petite table de salon d'accord qui a été réalisée, si vous voulez euh, par euh, sur cette chaîne hein, d'accord donc une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu l'approche des, des blocs euh, contraint donc euh, si on repart sur notre euh, feuille de départ notre voilà, document de départ. Donc, l'idée, en fait, c'était de créer cette table de salon, d'accord Lui a rajouté les pieds. Et dernière étape, dernière étape. Ah, juste avant la dernière étape, pardon. Donc on a fait un clou standard, d'accord On va créer un éclaté, d'accord Et on, on va passer à la mise en plan. Alors juste pour la mise en plan, d'accord euh, Je vais mettre en position les différentes vues, si vous voulez. Et je vais vous laisser le soin de continuer de pouvoir mettre euh, la nomenclature, euh, paramétrer, enfin si vous voulez, personnaliser un petit peu le cartouche, et rajouter la cotation. D'accord Donc je vous propose de retourner, donc pour pas que la vidéo soit trop longue, hein, d'accord. Donc euh, pour ceux qui ne, qui ne savent pas comment faire, eh bien, je vous invite à aller voir sur les vidéos de du base, d'acquisition de base de logiciels, d'accord, les anciennes vidéos, et vous allez voir qu'on a fait pas mal de vidéos qui traitaient justement de l'insertion de, de la nomenclature, de la mise en place, D'accord? Donc on revient sur notre logiciel. D'accord Donc pour pouvoir passer à cette mise en plan, d'accord, il faut tout d'abord enregistrer. D'accord, ce qu'on va faire tout de suite. Ici, fichier enregistré sous. Alors je vais l'appeler euh, ben, ben, table de salon 1. D'accord Parce qu'on a déjà fait d'autres table de salon. Je vais acheter un petit 1 pour la différencier des autres. D'accord Ici, comme ceci. D'accord, ça s'enregistre. Alors, une fois que c'est enregistré, ben pour faire un éclaté, très simple. Hein, alors, ça, aussi, cette, cette fonction d'éclaté, on l'a déjà vu sur notre, euh, sur notre chaîne. Hein, donc, vous allez dans Assemblage, vous allez faire euh, Créer éclaté, d'accord Et vous allez cliquer ben, ici. Il euh, vous demande. Alors, toujours cette, ce dialogue qui s'opère entre vous et le logiciel, hein, donc la barre de dialogue ici, là, il vous demande dessiner le document contenant l'ensemble. Donc, vous venez cliquer sur la zone bleue ici, là, d'accord Une fois que vous avez cliqué ici. Mais ben, il vous propose, si vous voulez, de créer un nouveau modèle. Donc, il va créer un nouveau document design. Vous faites OK. D'accord Et là, votre. Euh, voilà. Votre. Euh mobilier enfin votre votre projet apparaît' si vous voulez avec un rendu un peu grisâtre d'accord vous inquiétez pas il est toujours euh, en mode c'est parce que le mode de rendu n'est pas n'est pas le même d'accord et dans toujours dans cette boîte de dialogue vous avez type d'éclaté aucun alors, Il suffit de choisir euh, deux et on deux propositions éclatement euh, sphérique éclatement euh, radial alors je prends le premier tout hasard et je fais ok alors, le coefficient de sphérique, alors euh, en général, bon, j'y touche pas, 1,5. Vous pouvez vous amuser à faire varier ce, 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 ce paramètre, hein. d'accord Et le centre de, de l'éclaté, je vais cliquer légèrement en dessous du meuble. Voilà. Alors pour réaliser cette mise en plan, ben toujours pareil, vous allez faire nouveau, d'accord. Ça c'est des notions qu'on a déjà vues dans, dans les autres vidéos. Hein, et là vous allez prendre, pas le premier module, mais on va prendre le deuxième module qui s'appelle Drive, d'accord Et là, on va choisir toujours à 3 horizontal. D'accord. On va faire OK. Alors c'est... Alors pour ceux qui n'ont pas cette partie de la fenêtre, ben il suffit de, si vous voyez, de déployer ici. Hein, et là, je fais OK. Alors ce que je vais faire maintenant, ben on va si vous voulez euh, rajouter les différentes vues. D'accord. Donc euh, dans la suite de la vidéo, ça va être simplement de rajouter ben, la vue de face, de côté, vue de dessus. Et la vue éclatée. Et je vais vous laisser ben, terminer euh, par l'ajout de cotation. D'accord. Et cette nomenclature et la mise en page, si vous voulez, de ce cartouche. D'accord. Donc, pour ceux qui n'arriveraient pas à le faire, ben pareil, pouvait me soit me contacter ou eh bien pourquoi pas, ben ce serait, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit mot dans, sur la chaîne, d'accord. Ou bien aller visualiser euh, les anciennes vidéos dans les notions de base logiciel Alors pareil, lorsque vous êtes dans le mode Drive, vous cliquez, vous avez un petit, toujours dans le menu contextuel qui a changé. Vous prenez le premier, qui s'appelle bien évidemment Vue. Et là, vous allez ici, si vous voulez, cliquer sur rue principale, d'accord. Et là, vous allez cliquer bien sur ensemble. Et vous allez. Alors, vous voyez, moi, j'ai... Alors, c'était pas votre cas, mais moi, j'ai plusieurs, euh, si vous voulez, onglets qui sont ouverts. Et moi, c'était sa table de salon une que j'ai fait tout à l'heure avec vous. Donc, je vais venir cliquer sur la zone bleue ici. D'accord D'accord. Donc, voilà un petit peu. Donc, ici, on va mettre euh, ben, du 0,15 pour euh, euh, l'échelle. D'accord. Ensuite, euh, on va mettre euh, vue bré. D'accord. Pointe-ci, on va laisser. Oui, on peut laisser. D'accord. Et je vais commencer par faire OK. D'accord. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne pour la, la vue de face. Tac. Et pour ajouter les vues de côté, vue de gauche et vue de dessus. D'accord. Je fais vue auxiliaire ici. Et vous voyez, quand je vais venir, euh, si vous voulez, coulisser ma souris ici. Et je fais encore vue auxiliaire, je vais coulisser ma souris en descendant ici. Comme ceci. Voilà. Alors vous allez me dire, oh, on a un aspect grisâtre. C'est pas joli, joli. Alors pareil, n'oubliez pas que ben, dans ton prod, vous avez sous paramètres, vous avez un petit i ici qui définit les propriétés. D'accord On va cliquer dessus. Et on va aller dans paramètres de projection et on va lui dire ici euh, utiliser le rendu réaliste. Et on fait OK. Voilà. Donc ça va un peu plus joli comme ça là. D'accord. Euh, on va rajouter maintenant ben, l'éclaté, d'accord, à ce qu'on va faire. Alors, toujours pareil, on euh, va, va aller ici, d'accord Et je vais faire cette fois-ci euh, parcourir, parce que je n'ai pas ouvert mon fichier éclaté. Et il est ici, temps de s'en éclaté, le voilà, d'accord Je l'avais déjà fait. Et alors, je vous invite à le faire, hein, d'accord Donc pareil, et je vais venir cliquer euh, ici. Alors je vais prendre euh, ensemble, hein, voilà, tac. Alors, pareil, je veux. Alors, ça aussi, c'est des petites choses qu'on a vues auparavant dans les anciennes vidéos. Je veux que la vue de cette table de salon, la même vue soit. Alors, je vais pousser ma. Voilà. Je veux que la vue ici, la, la, la manière dont c'est présenté, je veux la même présentation sur mon plan. D'accord Donc, je vais venir cliquer. Ah, j'aurais déjà cliqué cocher. On utilise le, le, la vue ombrée. On va enlever les pointillés. Enfin, on va mettre en invisible toutes les arêtes cachées. Et ici, on va venir cliquer ici. D'accord le, le curseur qui le curseur et clignote là, ici. On va venir cliquer dans la zone bleue par la suite. Vous voyez Ce qui est affiché là apparaît ici. D'accord Et là, je fais OK. Et là, je retourne. Vous voyez, alors, vous voyez Je retourne ici un petit peu. Vous voyez donc Je ne suis plus, plus trop grand. Alors, je peux jouer, si vous voulez, sur. Euh, facteur d'échelle qui est ici d'accord j'ai mis euh, un dixième voilà ici comme ceci on peut le mettre là comme ça ça va pas gêner voilà alors bien évidemment voilà un petit peu ce qu'il fallait faire alors la nomenclature c'est simple hein, vous cliquez sur nomenclature vous choisissez un des modèles qui va vous être proposé et vous, posez, vous sélectionnez d'abord la vue de face mais ben une des vues si vous voulez en tout cas et vous cliquez sur le, sur le cartouche donc euh, ben, je reviens sur la voilà, voilà, un petit peu ce qu'il fallait faire. Hein. Je reviens sur euh, ben, la page de départ, d'accord, de ce de ce TP, hein, d'accord, de cette petite table de salon qui était un peu simple, on va dire. Hein. Donc, on aborde un petit peu les notions de base. Mais avant de terminer, je vous propose de, si vous voulez, ben, de revenir vers vous. Et euh, ben encore merci d'avoir suivi cette, euh, cette vidéo hein, sur cette petite table de salon. D'accord? Donc euh, vidéo, si vous voulez, qui aborde le chapitre 2 de notre chaîne YouTube, les blocs contraints. Donc j'espère que ça vous a donné un petit peu satisfaction. Et euh, je vous dis, euh, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis ben, à bientôt sur une autre vidéo.